Bienvenue chez les Yamada. C'est l'été. Vous aimez l'été ? L'été, ça rend les gens fous. Et ils commettent des actes horribles. Tenez, prenons l'exemple d'un petit moustique sans défense. Sa vie est bien courte et il n'a donc pas le temps de faire grand-chose. Pourtant, en un seul coup, un être humain peut balayer sa petite vie si précieuse sans même s'en rendre compte. Je suis sûre que vous avez déjà compris que vous étiez un moustique. Vous savez, cet insecte qui pique les gens et qui les fait se gratter. Cet insecte qui donne des boutons. En tant que moustique, il y a une chose que vous devez faire naturellement. Vous devez sucer du sang. Vous devez sucer et stocker autant de sang humain que possible afin de passer l'hiver et connaître le printemps prochain. Toutefois, sucer du sang n'est pas sans risque. Ça peut vous paraître surprenant, mais sachez que vous n'êtes pas le bienvenu dans la maison des Yamada. Mais bon sang, pourquoi ? Parce qu'à cause de vous, ça les démange. N'oubliez surtout pas qu'ils feront tout leur possible pour se protéger de vous. Malgré tout, je vous souhaite un bon été à jouer aux vampires. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous aurez compris, nous allons jouer à Monsieur Mosquito sur PlayStation 2. Un jeu, ma foi, très original puisqu'il s'agit d'incarner un moustique qui n'a pas rêvé de se venger des humains qui nous tuent. Alors, donc on a un mode mission, on peut changer la couleur. Alors la couleur, vous allez voir, j'ai rien du tout. On peut changer la couleur quand on améliore ça, enfin, on réussit des missions. On peut donc voir les records, donc les meilleurs records pour faire cette mission, et fichiers pour sauvegarder ou charger la partie. Donc on va commencer tout de suite. Donc lancer le briefing de la prochaine mission. Je vous avoue que l'intro est particulière parce que c'est la première fois qu'on a une intro avec quelqu'un qui parle et personne, enfin, hormis le tour de la maison, on voit rien du tout. On voit juste que la luminosité baisse au fur et à mesure qu'on va arriver vers la nuit. Alors c'est parti. Voici la chambre de Rena. C'est la fille des Yamada. Aujourd'hui, elle a fait une sortie avec son école et s'est vaporisée de produits anti-moustiques. Mais ça fait un moment déjà. Et à certains endroits, il ne doit plus y en avoir. Vous devriez viser ces zones. Bonne chance pour les trouver. Donc on va commencer par la première mission. Donc on va dans la petite chambre justement d'une des... de la famille Yamada. Avec la petite introduction assez marrant là, avec le petit chargement... Arrête de me coller! Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? Ce serait pas le bon moment pour prendre une photo de famille? J'en ai très envie. Pourquoi pas une photo de toi et papa seulement? Je veux pas être dessus! Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu ne serais pas dessus? Je vois pas pourquoi on fait toujours les mêmes photos tous les ans. On prend une photo chaque année! Un point, c'est tout. Dis quelque chose, Kenichi. Pourquoi vous ne voulez pas être sur la photo, tous les deux? C'est tellement casse-pied. On n'a qu'à pas s'embêter cette année. C'est à cause de moi, c'est ça? Vous ne voulez pas être sur la photo avec moi, hein? Oh, maman! Kaneyo! Je veux pas d'ennui, moi. Je vais dans ma chambre. Ce jeu d'acteur du futur.
Allez, je pense que c'est parti. Ouais, je disais le chargement avec le petit chat là qui fume, enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis si fatiguée. Alors, sucer le sang de Rena, sucer deux doses de sang, il y a un sachet bonus. Attention, il n'y a rien de sexuel là-dedans, je précise. Alors c'est parti, donc on peut diriger notre mosquito en fait avec le joystick directionnel gauche, un peu comme ça. On peut aussi le faire tourner comme ça. J'aimerais bien m'amuser un peu. On peut changer la caméra en allant à droite ou à gauche, ou vers le haut ou vers le bas. Si on appuie sur R1, alors il faut imaginer que c'est un petit peu comme un S-Combat, c'est assez particulier. Si on appuie sur R1, on va commencer à avancer. Voilà, si on fait L1, on ralentit d'un coup. Si on fait R2, on change de côté d'un coup. Voilà. Et si on fait L2, ben on voit derrière nous. Ensuite, on n'a pas grand-chose à faire pour le moment. On peut changer la vue avec triangle, là, se rapprocher plus ou moins. Et donc là, le but, eh ben, ça va être de. Eh ben, de. Ben, comme on l'a dit, hein, de la sucer deux fois. C'est très bizarre comme phrase, mais bon. Heureusement que c'est une fille. Hein, bon. Alors, donc c'est parti. Alors là, je dois trouver par exemple un point spécifique de la pièce pour réussir ma mission à bien. On peut voir qu'il y a un petit. Vous allez voir, je change un petit peu la vue. Voilà, je vais ralentir un peu. Vous allez voir, il y a un petit cadre rouge là, au-dessus de la radio. Alors pour l'instant, on ne le voit pas trop, j'ai l'impression. Donc on va se rapprocher. Alors le maniement est pas évident. Hein. Je vous dis franchement dès le début, j'ai vraiment galéré. Et là, je. Je me suis fait repérer. Donc là, elle va arrêter la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on va voir ce qu'on peut faire. Ah En fait, il faut bon? pas se faire opérer. Donc on va faire R2 pour directement reprendre. Ah là, on peut aller la piquer. Alors vous allez voir, c'est assez compliqué. Il y a un petit mini tuto pour expliquer comment ça va se passer. Voilà, donc on est à 80 cm. On va se mettre sur la jambe. Et là, vous allez voir, c'est assez compliqué. Je n'ai pas compris, hein. Je vous le dis franchement. Conserver la boule. Donc là, je fais tourner le joystick. Ah, c'est pas aller vite, j'ai l'impression. Dans la zone bleue de la jauge, appuyez sur la touche X ou Y pour décoller à tout moment. Il faut que j'aille vite. Ah, faut que j'aille vite. Faut que je tourne faut que je tourne au maximum. Voilà. Donc là, je malaxe, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Ça fait quoi? J'espère que vous avez apprécié votre première collation. Et donc on a réussi. Donc oui, quand je dis malaxe, en gros on fait tourner le joystick droite autour de nous. Et du coup on a réussi la première mission. Lancer le briefing de la prochaine mission. Alors attendez, on va voir si on peut changer la couleur de notre. Non, toujours pas. On va passer à la seconde mission. Voici le débarras des Yamada. Kaneyo, la mère de Rena, cherche ses albums de photos. Le débarras empeste l'insecticide pour vêtements. Essayez d'éviter ces zones toxiques au cours de votre vol. Donc c'est parti pour la deuxième Oh, que mission. ça me gratte! C'est bizarre, pourtant j'avais mis du produit. Passe un peu d'huile d'aloe vera dessus. Pas question! Ça me rend malade! Ne dis pas n'importe quoi. L'aloe vera, c'est efficace. Où est-ce que tu t'es fait piquer? Ce n'est pas là? Si? J'en sais rien.
Mais s'il y a un moustique ici, tu seras la prochaine sur la liste. Très drôle, ma puce. Ah quoi? Oui, je cherchais quelque chose, moi. Qu'est-ce que tu cherches? Alors, je sais pas ce qu'elle est allée chercher. Je n'ai jamais fait la mission 2, donc on va vraiment découvrir la deuxième mission ensemble. Voir ce qu'il faut faire. Je pense qu'elle est allée chercher quelque chose contre nous. Hein. Ah, elle est juste devant nous, attention. Et il y a pas mal de vapeurs toxiques qui s'émanent autour de nous. Oh là là. Une drôle de tronche, la grand-mère. Alors, la mère, pardon. Ah, j'ai pas vu. Voyons voir. Je me suis fait repérer, bon. Le mieux quand on se fait repérer, c'est de se mettre en hauteur pour voir à peu près ce qu'elle en pense. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, est-ce qu'il y a un point stratégique? Le bon vieux temps. Est-ce qu'il y a un point stratégique à taper pour... Pour être tranquille, j'ai pas... Qui quoi? Donc on faut regarder un petit peu le chemin qu'elle prend. Elle a ouvert quelque chose. Alors c'est pas évident de voir. Oh elle regarde les abonnements de... Ah oh, regardez, on peut l'utiliser là. On va se baisser. Et on va essayer d'aller sur la jambe. Oh je suis allé trop vite. Attendez, on va ralentir un peu. Non. Ah c'est trop tard. C'est trop tard. Ok donc faut faire attention au gaz violet. Oui, donc en fait, il faut réussir en temps imparti à la piquer. Voyons voir. Ouais. Je ne l'ai tout de même pas jeté. Où est-ce ah, elle va se baisser. Elle va se baisser. Non. Pff, attention, pas de se faire opérer. Voilà, parfait. Allez, je suis sûr qu'on va... On va trouver... Allez. Allez, on malaxe, on fait doucement. On va prendre un peu de sang. Pas trop vite. Sinon, on va l'embêter. Là, ça baisse un petit peu. Ah, c'était le bon vieux temps. Ah, c'était le bon vieux temps. Vas-y, continue de te faire suer. C'est parfait. Là, on n'a pris qu'une dose pour le moment. On va essayer d'en prendre un deuxième. Je pense que ça va être difficile de prendre la fin. Ah, c'était le bon vieux temps. Elle le sent pas pour le moment. Ouais, je suis doucement. Et on a réussi. Qu'il faut toujours bien ranger ses affaires. Bon, on l'a pas senti, bizarrement. En général, quand on s'est piqué dans le moustique, on le sent assez vite. Ah si, quand même. Enfin. Ah, elle a trouvé son album, magnifique. Et on a réussi la deuxième mission. Bon, pour l'instant, c'est à peu près facile. Après, évidemment, il y a des records, hein. On doit faire les missions dans un temps réparti. Je vérifie toujours si j'ai pas gagné de couleur, mais je pense pas. Vous ne disposez que d'une seule couleur, vous devez réussir dans le temps imparti en combat pour débloquer une nouvelle couleur. Bon, en combat. Ah oui, c'est vrai. En fait, quand on se fait... comment dire? Quand on se fait repérer, il y a des phases en fait où il y a un mode combat qui s'enclenche, et le but, c'est de piquer la personne à un endroit stratégique pour la déstresser. Alors c'est totalement débile hein, dans la réalité, mais bon. Et si on le fait rapidement, eh ben, on peut peut-être débloquer des choses. Je vais essayer de vous montrer ça. Voici le salon. Kenichi, le chef de famille des Yamada, regarde la télévision. Prévenu par sa femme et sa fille de la présence d'un moustique, il a vaporisé la pièce d'insecticide. Il a également dit à sa famille de se vaporiser de produits. Mais pas d'inquiétude, votre patience paiera et de nombreuses occasions de piquer s'offriront à vous. Allez, c'est parti. Mission 3. Regarde, j'ai enfin mis la main sur ces vieilles photos. Je les ai cherchées toute la journée. Tu les as encore ressorties? Ça te plaît tant que ça? Hé, tu t'es fait piquer par un insecte, maman, regarde, ça enfle.
Oh non. Passe un peu d'huile d'aloe vera dessus. Je déteste ça. J'y crois pas, c'est pas juste. Toi, tu m'en as bien mis. Et j'hallucine. Bon, d'accord. La prochaine fois que tu rentreras tard, je ne dirai rien à ton père. C'est vrai? Ce temps de réaction de l'espace. Alors c'est dommage, à chaque fois dans les vidéos, enfin entre les missions, ils ont l'impression qu'il n'y a pas eu de budget quoi. Ils affichent juste les visages et puis c'est tout. Alors il est en train de regarder la télé. Attention au courant d'air de la climatisation, si c'est 3 doses de sang, il y en a et un sachet, d'accord, caché. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a tout le temps qu'on veut. Donc on peut se balader un petit peu pour voir ce qu'on peut faire. Tu sais pas ça? Je m'ennuie. Je m'ennuie. Oui, oui, effectivement. Alors effectivement, ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment dans une... Ah, on peut changer le programme. On va le faire se lever, il va être dégoûté. C'est bizarre. Mais sûrement on laisse lever, non? Non, on va réappuyer à nouveau. J'ai dû me tromper. J'ai pas dû réussir. Ah, il y a aussi le téléphone. Attendez, on va essayer. C'est pas ça. Je m'ennuie. Pourquoi je tombe? Ah, on va avancer un peu. On va essayer de taper le téléphone. Alors, est-ce que je vais pouvoir le piquer par derrière? Non. Quoi? Le téléphone, c'était pas la bonne idée. On va voir s'il se replace et si on a un petit carré qui se forme. Ah, la tête! Alors on lui pique à la tête quand même. Hein. Alors j'essaie de suivre la ligne bleue. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Alors vous voyez un petit pictogramme, on le voit sucer. Et il faut que je fasse gaffe, attention, faut que j'aille vite. Voilà, pas que je touche trop la barre tout en haut. C'est en train de redescendre au fur et à mesure. On a fait la deuxième dose. C'est pas courant quand même comme manipulation à faire sur une manette. Ouais, ça tombe au fur et à mesure. Je vais garder le point bleu. Vous commencez à avoir le coup de main. Continuez comme ça. Alors la voix elle est quand même un peu bizarre, hein, la voix française. Alors le jeu normalement est japonais bien entendu. Et il s'est fait avoir. La voix française, elle me fait penser un petit peu à la voix de Athéna. Si vous avez joueur du grenier, vous connaissez la... je sais plus quelle série. Ça fait penser un peu à cette voix-là. C'est une voix qui est plutôt douce, mais qui, des fois, va pas trop dans le contexte, en fait. Ça fait un petit peu une voix un peu perverse, je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle adore le sang. Allez, on va faire continuer. Je vais essayer de vous montrer un mode bataille. Cette fois-ci, vous êtes dans la salle de bain. Rena prend un bain. Par conséquent, sa circulation sanguine est rapide. Elle n'a pas mis d'insecticide. C'est donc l'occasion ou jamais de la piquer. Mais il faut faire attention. Si vous sucez trop de sang, vous vous alourdirez et aurez davantage de mal à voler. Ah, un petit élément de gameplay en plus. Rena, c'est l'heure de ton bain. Attends, je suis en train de regarder un truc à la télé. Je le prendrai plus tard.
Ton père va le prendre en premier, alors. J'arrive. Brenna, ça me démange. Bon, bah, du coup, je pense que si j'ai bien compris, ça sera la fille qu'on va avoir en premier. Oh, il y a des bulles partout en plus. Oh, ça, c'est la le plus rapidement possible. J'ai 3 doses de sang. Ok, j'ai 3 minutes pour le faire. Bon, on y va quand même pour voir. Oh, fais gaffe. Ah oui, quand on dit on y va, c'est vraiment. Faut y aller doucement. Qui est-ce? Alors attention, parce que là on s'est fait repérer. Elle va sûrement se retourner. Non, elle a rien vu. Non, pas attention. Allez. Oh. Oh, comment elle m'a instant one shot, quoi. Bonne chance. Elle m'a one shot direct. J'ai à peine eu le temps de piquer. Elle était déjà en train de me frapper. Bon ben voilà, déjà on s'est mis KO direct. Alors on va passer un petit peu l'introduction, comme ça commence. Est-ce qu'on peut passer? Non, on est obligé de. Ça, c'est la vraie vie. Peut-être que c'est pas par là qu'il faut la piquer. Hein. On va voir. Bon, de toute façon pour le moment on va se mettre là-haut, si on a bien compris, parce que sinon elle va nous repérer. Aïe. Voilà, j'ai touché la tête. Qu'est-ce que c'est que ce truc à l'arrière? Bon, pour l'instant, ça va. Ah, elle m'a vu. Alors, attention, elle m'a vu. Oh, elle m'envoie de l'eau. Elle m'envoie de l'eau. Et voilà, j'ai un point. Il faut absolument que j'appuie dessus. Voilà, donc là je l'ai relaxé en 13 secondes. Alors je sais pas pourquoi le fait de lui mettre un pain sur le front ça change quelque chose. Là je suis repéré, donc on va faire gaffe. Oh là là, regardez-moi ça, on voit quasiment rien. Bon, on va retenter. Ouais, le paradis, il faut le dire vite. C'est le paradis. Faut que je remonte un peu. Je m'ennuie. Oh, faut aller vite là. Attention de pas monter trop vite. Oh non! Ah, j'ai pas compris. Comment ça se fait qu'elle m'ait touché? J'étais quasiment au bout. Hein. Il n'en restait plus qu'un. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je sorte au bout de la deuxième fois. Bon, on va retenter une dernière fois. Sans, je pense que vous avez déjà compris le jeu. Hein. Voilà, il s'agit de piquer à chaque mission, récupérer du sang pour vivre. Et à chaque fois, les missions vont être de plus en plus difficiles. Oh, ça c'est la vraie vie. Ouais, je pense qu'en fait à la fin il faut vraiment aller vite. Bon, pour l'instant on va se mettre en hauteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si elle m'a vu. Elle m'a vu peut-être. Très bien. Bon, on tente. Je suis allé un peu plus vite que tout à l'heure.
C'est sûr que je peux aller au fond, hein, mais j'ai l'impression que si je sors du truc... Ah, il faut vraiment que j'aille vite, là je sors de la zone. Allez, on va être bon, on va être bon. Yes, on a réussi. Alors j'ai pas compris pourquoi on se loupait tout à l'heure, mais bon. Écoutez, c'est passé cette fois-ci. Alors c'est marrant parce qu'on va regarder à quoi on ressemble. On dirait qu'on est un... Qu'on est un moustique mécanique, on est complètement bourré. On a trop pris de sang. On va voir la couleur qu'on a débloquée d'ailleurs. Allez, lancez le briefing. Temps de jeu 27 minutes. On va voir la couleur qu'on a débloquée. On a débloqué une couleur rouge. Voilà, c'est notre petit équipement. On va faire appliquer, pourquoi pas. Et on va faire allez, une petite dernière mission pour voir à peu près le thème. Comme toute la famille a été piquée, elle a allumé un diffuseur d'insecticides. Ne vous approchez pas trop de ces vapeurs. Bon. Ok, donc là on a un insecticide contre nous. C'est bizarre. De quoi? Ça ne va pas du tout. Pourquoi est-ce que j'ai des piqûres de moustiques? T'as dû te faire piquer dehors. C'est l'été après tout et tu... es rentré tard hier soir, non? Quoi? Mais c'est pas ce qui était convenu. Quand on a augmenté ton argent de poche, tu nous as promis que tu rentrerais à l'heure. Mais personne ne rentre plus avant 5 heures de nos jours. Quand j'étais jeune. Ok, j'ai compris. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'elle rentre un peu plus tard. J'en ai assez entendu. Je crois qu'il y a un moustique dans la maison. Dans ce cas, Kanei, on va acheter de l'insecticide et un qui soit efficace si possible. Tu pourrais peut-être y aller toi-même, hein? Maman, tu voulais pas préparer à dîner? Ce soir, j'ai envie de manger des pommes de terre. Vraiment? Dans ce cas, faisons des pommes de terre pour le dîner. Super. Mais maman, je sais pas si ça va me plaire ta façon de les cuisiner. Comment ça? Je sais très bien les cuisiner. Ok, bon, je vais allumer un diffuseur d'insecticides dans la cuisine. Quoi? Tu n'en fais qu'à ta tête. Wow, on comprend l'histoire, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment trop long. C'est vraiment trop long. Il y a un marquage entre les deux, c'est pas cohérent. Je me demande si justement c'est, la vidéo n'est pas adaptée pour la version japonaise, puisque les japonais ont tendance à parler un peu plus. Pas lentement, mais plus posément. On va voir ce qu'elle va dire. Alors effectivement, elle sait super bien cuisiner. Pas mal, quelques petits traits d'humour. Oui, il y a des traits d'humour dans la façon de parler aussi. Par contre, ce qui m'éclate, c'est le côté... maman, on mange des pommes de terre, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Bah fais toi-même, non? Ok, bon, on va le faire. Alors par contre, un diffuseur d'insecticides, j'y connais rien honnêtement. Mais c'est pas un peu juste dangereux, quoi? Il y a de la fumée, non? C'est ça. Bon. C'est chaud. Je mets près des gens parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, mais à mon avis, non. Wow, 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 attention. Alors, je sais ce qu'on va pouvoir peut-être faire. C'est activer un élément de la cuisine pour justement créer de la fumée. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Je trouve que le plus drôle dans cette vidéo, c'est qu'en même temps que je suis en train de faire la vidéo, j'ai l'impression de me faire marcher dessus par un vrai moustique dans la vraie vie. Non, c'est pas le cas.
C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Je vois pas de zone rouge en fait. Alors le jeu, on n'a pas parlé du jeu en lui-même, hein, au niveau des graphismes, ce genre de choses. Mais il est quand même plutôt bien fait, plutôt correct. Il y a pas mal de détails, vous voyez, dans les pièces, plutôt bien rendu. Mais oh bah voilà, il y a les pieds. Oh les pieds, faut que je me grouille. Ah trop tard. Il y a pas mal de détails, c'est plutôt bien rendu pour un jeu qui est sorti en 2002, c'est-à-dire dans la première partie de la vie de la console. Ça rend pas mal. Je sais pas s'il est sorti sur d'autres supports, j'ai pas l'impression. En tout cas, je l'ai vu que sur PS2. Oh, attention. On va se faire opérer. Ouais, je pense que là, c'est bon. Voilà, vous de planter. Ça va être compliqué. Alors, quelque chose me dit qu'il va falloir que je retire vite. On va le faire en deux fois. Parce que j'ai l'impression qu'elle va reposer ses pieds à un moment et du coup ça va pas être bon. Il y a de la fumée, non ? Alors je sais pas pourquoi elle dit il y a de la fumée. Encore un peu ? Ouais, je disais, c'est pas super dangereux d'avoir un diffuseur d'insecticide dans la pièce. Enfin, genre on se contamine pas avec, même l'humain. À moins que les doses soient vraiment très très faibles. Ah ben voilà, c'était là qu'il fallait aller. Malheureusement, je suis peut-être un petit peu lent. On va essayer de lui faire les deux pieds. Je sais pas pourquoi. Il est en train de se gratter les pieds. J'ai l'impression que ça va pas me plaire. Ça a pas marché ? Je suis pas allé jusqu'au bout ? Il y a de la fumée, non ? Bon, on va attendre encore un peu. C'est ça. Donc bon, il y a une petite musique, l'ambiance est plutôt correcte. Hein. Enfin voilà, après ça reste un jeu, petit jeu, hein. C'est pas un gros jeu AAA. Ouh là, attention. On va essayer de la repiquer au même endroit. Voilà, et monte-moi tes pieds. Hop là. Ah, faut vraiment que je la recharge au fur et à mesure. En fait, je crois que j'ai relâché trop tôt. Ah, j'ai pas compris, c'est trop tard là? Ouh là, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris une baffe par ses pieds. C'est ça. Pourquoi ça ne marche pas? Ouais, je peux me déplacer aussi comme ça. Bon, elle m'a pas trop repéré, hein. On va se remettre derrière le pied. Je pense que c'est fini. Ah, je peux revenir là. Alors, retente, c'est parti. Ça a l'air de la gratter quand même, elle bouge le pied. On s'est descendu d'un coup. Et voilà, on a réussi. Je m'adresse à toutes les femmes au foyer. Ne faites jamais ça chez vous. Oui, donc apparemment ça s'est un petit peu mal placé. Bon, c'est sympa, il y a quand même pas mal de traits d'humour. Ah, on a changé d'écran de chargement, j'avais pas fait gaffe. On n'a pas débloqué de mission, puisque je me suis pas amusé avec elle. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez compris le but du jeu. Il s'agit donc de... Vous l'avez compris, d'insucer tout le monde. En tant que moustique, bien entendu. C'est un jeu plutôt original, hein. Concrètement, faire un jeu entièrement là-dessus, il faut le faire. Bon, c'est un petit peu dommage, on sent que le technique... Enfin, j'ai l'impression que le budget est pas là. Mais le jeu en lui-même est plutôt drôle, plutôt sympa. Donc, je vous le conseille. Donc, ça s'appelle Mosquito, M-O-S-K-E-T-O. Et pas Mosquito, comme on pourrait l'écrire à l'anglais, M-O-S-Q...
Tsuito. Et donc c'est sur PlayStation 2, disponible en plusieurs langues. Là, j'ai mis le mot de français, mais il peut être en anglais, en espagnol et en allemand, je crois. Et évidemment avec la version japonaise. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!